Écoutez bien, chrétiens, étant que serviteur de Dieu, le moindre des apôtres, j'aimerais dire, tous ces pasteurs-là, tous ces pasteurs, ces vendeurs dans les temples, ces commerçants, qui vous font vendre de l'huile d'onction, du sel, tous ces pasteurs-là qui vous font payer des entretiens ou qui font des conférences payantes ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. J'assume ce que je dis. Si j'assume ce que je dis étant que homme de Dieu, en m'appuyant sur la parole de Dieu, l'accès à la parole de Dieu ne doit pas être payant. L'accès à l'onction ne doit pas être payant. Tous ces hommes de Dieu, prétendus des hommes de Dieu, j'aimerais vous dire en face, vous êtes des voleurs et des charlatans. Et vous, tous ces chrétiens qui cautionnez ces choses-là, qui soutenez ces gens-là, vous serez aussi condamnés, vous ne serez jamais bénis, parce que vous êtes en train de soutenir des gens qui salissent l'évangile, qui détruisent l'évangile. L'huile ne doit pas être payant. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et la Bible est claire. Soyez bénis. Moi, j'aime pas que l'émission, j'aime la personne. Ah. La personne, c'est une personne vraie. Ouais. Elle dit la vérité. Ouais. Et ses analyses sont très très bonnes. Et wow. Il est catholique, hein? Il est catholique. J'ai un réma à vous donner. Et quand vous couchez avec une belle sorcière, quand vous tombez dans le péché avec une belle sorcière, je dis bien une belle sorcière, et le diable sait maquiller ses filles, le diable sait rendre séduisantes et belles ses filles. Quand le diable dénue et maquille ses filles, oh, ça attire les enfants de Dieu. Voilà pourquoi dans Genèse 6, les fils de Dieu sont allés prendre les filles des hommes comme femmes, parce qu'elles étaient maquillées et rendues belles par le diable lui-même. Et quand vous couchez avec une belle sorcière, il y a deux issues. Comme vous êtes dans le péché, ou elle vous tue, elle vous communique une maladie, elle vous communique le cancer, elle vous communique peut-être la schizophrénie, la dépression, elle vous tue, ou autre chose, elle vous initie dans la sorcellerie. Elle vous initie. Pendant que vous l'embrassez avec ses venins, esprit de python, elle vous met des venins en vous et vous aussi vous êtes initié dans la sorcellerie. Et un esprit va vous contrôler. Un esprit va vous contrôler et vous utiliser pour détruire l'œuvre de Dieu, détruire les hommes de Dieu. Vous serez inconsciemment ou consciemment au service du diable. Alors attention, gardez-vous dans la sainteté. Bien-aimés, ne soyez jamais envieux. N'enviez pas les autres. Au contraire, réjouissez-vous de la réussite des autres. Il faut que le mariage de ton frère soit un signe prophétique de ton futur mariage. La guérison de ta sœur soit un signe prophétique de ta future guérison. La prospérité de l'autre ministère soit un signe prophétique de ta future prospérité. Parce que Dieu ne fait acception de personne. Et ce qu'il fait dans l'autre, ce qu'il fait pour l'autre, il veut le faire aussi pour toi. Dieu n'a pas destiné d'autres à vivre dans la médiocrité et d'autres à vivre dans l'abondance. Et Dieu veut que tout homme prospère. Dieu veut que tout homme qui est fidèle, au lieu d'envier l'autre, au lieu de jalouser l'autre, au lieu de combattre l'autre comme Caïn l'a fait, au contraire, améliore-toi. Paye le prix que ton frère paye. Paye le prix que ta sœur paye. Paye le prix que l'autre a payé. Suis son exemple. Sois son imitateur, comme Christ le disait. Soyez mes imitateurs, comme moi je suis imitateur de Christ. Bénissez le Seigneur. Il ne faut pas que la réussite des autres, la victoire des autres soit un découragement, un deuil pour toi. Mais il faut qu'au contraire, soit un encouragement, que tu puisses te réjouir avec eux, que tu puisses remercier Dieu et que cela puisse fortifier ta foi parce que ton tour vient. Sois béni. Chrétiens, comment vous pouvez manquer de discernement à ce point-là, hein? Comment vous pouvez confondre? Vous ne savez pas distinguer les faux apôtres des vrais apôtres, les faux docteurs des faux docteurs. Hein? Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Hein? L'apôtre Pierre a maudit Simon le magicien. Il lui a dit, sois maudit, que tu périsses avec ton argent, parce que tu as cru que le don de Dieu peut s'obtenir à prix d'argent. Et quelqu'un qui se dit homme de Dieu, qui vous vend de l'huile, pourquoi vous ne comprenez pas que il est du diable? Comment un homme de Dieu peut vous vendre de l'huile, vous vendre des mouchoirs et faire des bénéfices avec? Qu'est-ce qu'il vend? C'est l'onction ou quoi? Comment un homme de Dieu va vendre un petit livre qui vaut à peine 5 €, 200 €, et vous l'appelez homme de Dieu? Comment quelqu'un, vous le considérez comme prophète, il fait payer 200 € un entretien? Est-ce que vous avez vu Jésus-Christ faire payer 200 € un entretien? Mais vous pouvez être aussi stupide et borné à ce niveau-là. Comment pouvez-vous appeler quelqu'un chrétien, prophète de Dieu, il fait payer un entretien 200 €, 1000 €. Oh, vous aimez les charlatans, vous aimez les flatteurs, les gens qui vous prophétisent des mensonges, qui ne vous disent pas vos péchés, qui ne vous appellent pas à la repentance, mais qui vous flattent et qui vous donnent de faux ministères. Sandrine et Cecilia, c'est voyage gentil. Je voulais voyager à crédit, venir là, il n'y a pas de problème. On va payer petit à petit et si on n'a ni l'argent, on va fouiller. Voilà. Il ne peut pas porter plainte. Tout supporter, mon cœur voudrait t'aimer, ah c'est t'aimer, pour pouvoir supporter, tout supporter. La souffrance et la peine, l'injustice et la haine, je veux assez t'aimer pour tout supporter. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi tu ne manqueras de rien? Parce qu'il va t'amener dans de verts pâturages. Amen. Il sait quel côté il y a le vert pâturage. Amen. Le premier obstacle pour entendre la voix de Dieu, manque de foi. Certains croient que l'écoute de la voix du Seigneur est réservé qu'aux grands serviteurs. Deuxième erreur, c'est la distraction. Certains chrétiens sont trop distraits. Même quand Dieu les parle, ils sont trop absorbés par des histoires et des soucis. Le manque de discernement. Beaucoup de gens n'ont pas le discernement. Ce qui est triste aujourd'hui, les gens confondent la voix des démons et la voix du Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont malades. Parfois, c'est une maladie démoniaque. Mais il y a des gens qui sont malades, c'est une maladie naturelle. Jésus a dit, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Ils chasseront les démons. Il y a des situations où une personne, il ne faut pas prier pour sa guérison. Il faut chasser les démons de sorcellerie qui les rend malades. Il y a des cas, il n'y a pas un démon, c'est une maladie. Il faut une guérison. Quatrième obstacle qui nous empêche, Amina écoute bien, d'écouter la voix de Dieu, c'est l'amertume. L'amertume, la haine ou le péché. Lorsque vous avez des soupçons, ressentiments ou l'amertume et la haine dans le cœur, il vous sera difficile d'entendre la voix du Seigneur. Alléluia. Amen. On va voir les différentes manières maintenant par lesquelles le Saint-Esprit nous parle. Le premier canal, c'est le feu de route intérieur. C'est moi qui appelle ça comme ça. Hein. Le feu de route intérieur. Le feu de route, c'est quoi? C'est comme le feu de route hein, qu'on a aujourd'hui dans le code. Sur nos routes, c'est rouge, orange et vert. Quand le feu passe au rouge, tu t'arrêtes. Et moi, j'ai vu des gens fous. Le feu passe au rouge, pouf, il continue. Crois-moi, ça peut être grave. Ça peut te coûter la vie. Hein. Alléluia, ma soeur. Amen. Et le feu du rouge, pour moi, le feu vert, c'est la paix intérieure. Parfois, quand tu es en danger dans quelque chose, dans un engagement, en général, tu ne sentiras pas la paix. Tu sentiras comme... Hein, quand tu ne sens pas la paix dans quelque chose, ne t'engage pas. Tu veux te marier, mais tu ne sens pas la paix. Patiente. Tu veux acheter une maison, tu ne sens pas la paix. Patiente. Alléluia. La paix intérieure est très importante parce que Dieu parle beaucoup par la paix. Vous savez, des fois, les gens, Dieu leur parle, ils ne se rendent pas compte. Mais Dieu ne m'a rien dit. Mais des fois, pendant que tu voulais acheter la voiture, tu ne sentais pas la paix. Dernièrement, j'ai une sœur qui m'a dit, ah, Bishop Eli, quand tu m'avais parlé de telles choses, je n'avais pas senti la paix, je ne t'ai rien dit. Maintenant, l'affaire a mal tourné. J'ai compris que c'est Dieu qui m'avertissait. Maintenant, je comprends que Dieu me parle. Prochainement, quand je ne ressens pas la paix dans quelque chose, je ne vais rien faire. C'est un principe. Quand vous sentez le feu rouge, c'est-à-dire que vous ne sentez pas la paix, arrêtez-vous de vous engager, pas prenez le temps de la prière. Vous allez vous éviter beaucoup de désagréments, beaucoup de mauvaises surprises. Alléluia. Amen. Troisième canal, deuxième canal par lequel le Saint-Esprit nous parle, c'est nos émotions. Tu peux un jour venir, tu vois quelqu'un, tu lui en veux pas, vous n'avez aucun problème, mais tu sens une colère intérieure. Alléluia, frère Patrice. Alléluia. Tu vois quelqu'un, tu sens une colère. Mais tu dis, mais moi ça m'est déjà arrivé. Hein. Je vois quelqu'un, je sens une colère, mais le frère m'a rien fait. On n'a jamais eu de problème. Aucun problème. Haïti est là, je sens une colère. Mais avec Haïti, il n'y a pas de problème. C'est là que je comprends que... Bougla ni litige avec bon Dieu. Amen. Amen. Des fois, tu vois quelqu'un, tu as une tristesse profonde. Un matin, tu viens, tu vois la sœur Anna, je sens une tristesse. Un exemple. Je dois comprendre que le Saint-Esprit est triste pour elle. Ah, maintenant, si je suis prophétique, je dois commencer à prier pour qu'il me dise pourquoi cette tristesse-là. Et après, Dieu peut te montrer quelque chose qui se passe dans sa vie, ou bien un danger qui est autour d'elle, ou bien un problème. Mais des fois, nous sommes aveugles parce que quand Dieu nous donne ces signes-là, on les néglige, on ne s'en occupe pas. Mais on dit, mais Dieu ne me dit jamais rien. Écoutez, quand vous êtes un véritable enfant de Dieu, rien ne peut t'arriver dans ta vie sans que Dieu t'avertisse. Amen. Voyez par un exemple, je vous donne. La sœur Cathy, elle est là. Hier, j'ai pensé à elle. J'ai même voulu l'écrire. J'ai dit, mais ça fait longtemps que je n'ai pas eu ces nouvelles. Voyez. J'ai même voulu l'écrire. Dieu m'attend. J'ai même prié. J'ai dit, et vous voyez, et comme on dit comme par coïncidence, je le vois là. Maintenant, moi, étant qu'homme de Dieu, je sais que je dois prier pour elle après. C'est une confirmation. Pourquoi hier, Dieu m'a mis son nom dans mon cœur. Vous voyez, c'est des petits signes par lesquels Dieu nous parle. Mais des fois, nous ne prêtons pas attention. Ah, voyez. Donc, Dieu nous parle de plusieurs manières. Le Saint-Esprit parle. Et si nous écoutons le Saint-Esprit, nous allons nous éviter beaucoup de problèmes. Amen. Des fois, tu vois quelqu'un, homme de Dieu, rempli du Saint-Esprit, comme l'histoire dont je vous parlais toujours. Cet homme de Dieu très connu, il prend un avion, il laisse 2 enfants aux États-Unis, il prend sa femme, il prend 6 ou 7 pasteurs assistants, ils vont à Barbade. Dans une île de la Caraïbe, l'avion fait accident, il meurt brûlé vif avec sa femme et les pasteurs assistants, il laisse 2 enfants orphelins. Et les chrétiens disent, ah Dieu l'a pris, alléluia, Dieu l'a pris. Je dis, Dieu ne brûle pas les gens comme ça, je suis désolé. Alléluia. Amen. Quand Dieu veut prendre les patriarches, je leur ai dit, prépare ta maison, je vais te prendre. Amen. Quand Dieu voulait prendre Ézéchias, il a envoyé Esaïe qui lui a dit, prépare ta maison, tu vas partir. Alléluia. Amen. Donc, des fois, nous avons le Saint-Esprit, mais nous vivons les mêmes malheurs que les païens. Regardez bien beaucoup de chrétiens, des fois, les mêmes malheurs que les païens nous arrivent, si pas plus. Parce que quand tu deviens chrétien, tu provoques le diable. Quand tu es païen, le diable ne s'occupe pas de toi. Mais quand tu deviens chrétien, hein, ma soeur Hélène, le matin tu te réveilles, Satan tu es lié, Satan tu es lié. Hein? Tu le lis? Moi j'ai un ancien en Guadeloupe. Patrice peut le connaître. Il vivait dans un quartier et tous les matins il prenait autorité sur les démons du quartier. Tous les soirs, je lis. Et je vous dis, cet ancien-là, un jour, on lui pose le mail, il avait un démon. D'un prêtre indien. On dit, démon, sors! Qui es-tu? Je suis le chef du quartier. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis là parce qu'il bloque mes affaires. Tous les matins, il lit, alors j'en ai marre. Donc, le frère avait une porte ouverte. Il se permettait d'aller déranger les diables. Oui, dernièrement, j'étais avec Jean-François, celui, j'ai dit, écoutez, si vous amenez tous tes clients là, vaudouisants là, ces prêtres vaudous, tu les mets en face de moi, je vais tous le faire tomber par la puissance de Jésus. Amen. Une sœur m'a dit, Bishop Eli, j'aime bien te suivre, j'aime bien comme tu prêches, mais là tu provoques le diable, tu vas trop loin. Je dis, je le provoque parce que je sais que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Amen. Coucou. Vous ne devez pas avoir peur. Mais, Jésus-Christ a dit, celui qui se garde l'ennemi ne le touche point. Voilà pourquoi je dis que des fois, nous les chrétiens, on n'est pas sérieux. Tu es chrétien, tu vis avec l'amertume. Des fois, je m'assois et je regarde les chrétiens, je dis, ah, quel jour on va devenir sérieux, comprendre que la vie n'est pas un jeu. Quand vous devenez un enfant de Dieu, vous devenez une menace pour les démons de la famille. Si ta famille a été liée, donc toi, tu te convertis, ça veut dire que tu peux délivrer toute la famille parce que tu as droit, c'est ta famille. Par le lien de sang, tu as autorité. Et c'est pour cela, parfois, quand vous vous convertissez, il y a des gens de la famille qui vous combattent ou des gens qui ne vous supportent pas parce qu'ils sont en danger. Les démons qui sont en eux se sentent menacés, même quand tu leur as rien fait. Moïse était né. Il n'a rien fait. Mais Pharaon se sentait menacé déjà. Il voulait faire tuer tous les nouveaux-nés. C'est pour cela que je dis que quand tu es combattu, c'est que tu es dangereux pour le diable. Amen. Quand tu n'es pas combattu, c'est que tu es inutile. Il y en a qui disent, ah, mais pasteur, je ne comprends pas comment je suis combattu comme ça, c'est pas possible. C'est parce que il y a quelque chose de grand en toi. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est né, il n'a rien fait. Mais Hérode était en danger. Et j'ai remarqué que beaucoup de serviteurs de Dieu, des vrais, le diable a essayé de le tuer à leur naissance. Amen. Amen. Donc faisons attention à ce que nous faisons. Donc, il y a des fois, je parlais de la haine. De la haine. Émotion. Oui. Après, troisième obstacle à la voix du Saint-Esprit, non, troisième canal par lequel le Saint-Esprit nous parle, c'est les sensations physiques. Amen. Amen. Moi, parfois, quand je vais imposer les mains à quelqu'un, quand les dons de guérison veulent se manifester, je sens une chaleur dans mes bras. Et je peux vous dire, c'est comme si c'est réel, mais une chaleur douce. Et il y a ceux qui parlent en langue deux fois. Quand vous parlez en langue longtemps, 1 heure, 2 heures, vous allez voir, il y a un moment donné, vous allez sentir une chaleur qui passe dans les bras. Et parfois, quand je suis dans un endroit qui n'est pas bon, je sens le picotement dans mes pieds. Ça, c'est mon expérience. C'est comme ça que Dieu me parle. Donc, Dieu peut te faire sentir. Ça m'arrive des fois quand je prie, je sens mal, par exemple, au ventre. C'est que Dieu veut guérir quelqu'un qui a mal au ventre. Alléluia. Amen. Donc, des fois, Dieu peut nous parler par des signes physiques que tu ressens. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est charnel. Amen. Amen. Troisième canal, c'est la conviction ferme et forte. Des fois, tu peux voir quelqu'un qui sent la conviction que cet homme-là est un menteur. Qui n'a aucune preuve. Personne t'a rien dit. Le monsieur se remet, il sent que monsieur menteur. Il ne faut pas lui faire confiance. De telles convictions, ça vient du Saint-Esprit. Des fois, tu vas dans une église comme ça, tu sens une conviction, pasteur la sorcier ou escroc. Mais le pasteur, il est sur rien. Bonjour ma sœur. Oh, on est content de te voir. Il marche comme un chat. Donc, humainement parlant, il n'y a pas des éléments qui te permettent de penser cela. Mais tu sens au fond de toi, d'une manière forte, monsieur a menti. Alléluia. Donc, ce genre de convictions sont des signaux du Saint-Esprit. Cinquième, c'est le songe. Alléluia. Les amens ont baissé, on dirait que vous avez faim. Non, amen. Prêche, prêche. Hein? Vous voulez qu'on prêche, qu'on danse? Prêche, prêche, prêche. Amen. Les songes, Dieu parle beaucoup par des songes. Moi, je me parle beaucoup par des songes. Avant, je prenais les songes à la légère. Un jour, je dormais dans les métros. Là, c'est, je devais avoir quel âge? 28 ans peut-être, 26 ans, 27 ans. Je dormais dans le métro. Je ne dormais pas, j'étais assis et je me suis assoupi même, je peux dire même 1 minute. Et pendant ces 1 minute, j'ai eu un songe où j'ai vu tout mon avenir. J'ai vu des choses qui allaient se passer dans ma vie. 1 minute. Donc Dieu peut te faire vivre 10 ans dans 1 minute. Amen. Il peut te faire vivre aussi, mais c'est incroyable. Quand je me suis réveillé, mais j'ai eu un songe qui a duré presque 2 heures, mais dans 1 minute. Je ne l'ai pas pris au sérieux parce que je n'avais pas encore compris que Dieu parle comme ça. Mais bien aimé, 1 an après, j'ai vécu jour pour jour tout ce que Dieu m'a dit. Il y a eu une réunion des anciens, moi et mon pasteur, ça a chauffé, et tout ce que j'ai vu se réaliser mot à mot. J'ai dit, waouh! C'est à partir de ce jour-là que j'ai compris que Dieu parle par des songes. Vous voyez, quand j'avais 19 ans, écoutez un peu, j'avais 19 ans, je priais, on avait une maison où on venait prier ensemble avec des gens, il y avait aussi le pasteur Nico. Là, il était encore chrétien. La nuit, je dormais, j'ai vu un ange qui est venu, qui m'a imposé les mains. Il m'a dit, cet enfant-là va servir Dieu. Dieu va beaucoup l'utiliser en Amérique. J'avais 17 ans. Et quand j'ai eu 40 ans, 45 ans, j'étais déjà en Guadeloupe, hein. Je priais et Dieu m'a dit, tu te rappelles du songe que tu avais eu? Ah oui. Qu'est-ce que je t'avais dit? Je dis, ah oui, je me rappelle. Dans le songe, on m'avait dit que Dieu va m'utiliser beaucoup en Amérique. Je suis en France. Tu n'es pas en France. Tu es en France politique. Mais les Antilles, c'est en Amérique. J'ai dit, waouh! Le songe, ça, s'est accompli sans que je me rende même compte. Écoutez, quand Dieu parle, qu'il pleuve ou qu'il neige, ça va s'accomplir. Ah oui. Quand j'avais 13 ans, j'avais fait 3 jours de jeûne à sec. Et j'ai vu Jésus. Et pendant que j'ai vu Jésus, je dormais au lit, j'ai vu une table, une tablette, comment on dit ça, un tabouret, avec des diamants, avec de l'or, des pierres précieuses dessus. J'ai voulu les saisir, en réalité même. Et j'ai senti, boum, le toit s'est soulevé. J'avais 13 ans. Et 40 ans après, je ne peux pas donner de précisions parce que ça passera à la télévision. 40 ans après, quelqu'un de proche de moi m'appelle. Bishop Eli, on va créer une société de pierres précieuses, l'or, diamants, tout. Quelqu'un est très bien placé. On va exporter. Ma sœur m'a montré des pierres précieuses qu'on lui a montrées. Je vous dis, les plus gros diamants rouges au monde. Il n'y a pas de sucre. Quelqu'un là-bas au Congo. A dit Bishop Eli, il faut qu'on cherche. Mais des choses, bon, ça je ne peux pas rentrer en détail. Parce que si les gens savent que tu as un gros diamant rouge comme ça, tu disparais. Hein? Même les voisins peuvent tourner contre toi. Mais, pendant que je priais, Dieu m'a dit, tu vois, je te l'avais promis il y a 40 ans. J'accomplirai ma parole. Amen. Je sais que Dieu m'appelle dans ce travail, exporter des pierres précieuses. Je sais que bientôt, ça va se concrétiser. Vous voyez, je ne l'ai pas cherché. Je suis quelqu'un de ma famille. Il y a des choses que j'attends. Écoutez-moi, il y a des choses que j'attends. Vous allez dire, mais c'est un rêve ou quoi? Écoutez, prenez Dieu au sérieux. Amen. Dieu peut vous amener là où vous ne pourrez jamais imaginer arriver. Amen. Les gens qui se moquent de Dieu, qui méprisent Dieu, méprisent leur propre vie. Alléluia, ma sœur Anna. Comme j'ai dit, double culte, c'est double onction. Amen. Les gens qui veulent double onction doivent faire double culte. Amen. Comme Patrice Labédou, tu auras double onction. Amen. 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 Quand tu vas tousser, boum, maman, je tombe là. Alléluia. Merci Seigneur. Donc Dieu parle par des songes, il parle par des visions aussi, cinquièmement. La vision, c'est... Quelle différence y a-t-il entre vision et songe? Dans le français, c'est synonyme, mais dans la Bible, ce n'est pas synonyme. La vision, c'est un songe nocturne ou un songe éveillé où tu n'es pas acteur. Tu vois simplement, vision, tu vois. Alors que le songe, c'est... tu es acteur dedans. Tu rêves que tu es en train de manger, tu rêves que tu es en train de parler avec quelqu'un, on te poursuit, tu fuis. Là, c'est un songe, tu es acteur. Alors que la vision, tu peux être là, tu vois quelqu'un qui te parle, tu le vois. Mais tu vois deux personnes qui parlent, mais toi, tu n'es pas dans le film. Et Dieu parle aussi par des visions. Des visions. Et puis, il parle par la prophétie aussi. Septièmement, prophétie. Prophétie, c'est quelqu'un qui te communique la pensée de Dieu. Mais parfois, les gens pensent, la prophétie, c'est seulement quand quelqu'un tremble. Je sens, je sens. Ah, tu parles, Seigneur. Et là, on prête, on est, attention. Mais des fois, ça ne veut rien dire. Quelqu'un ne peut pas dire, ainsi parle l'Éternel. Tranquillement. Mais nous, on aime beaucoup le cinéma. Même les prières. Quand un pasteur veut prier pour une malade. Il y a un grand combat là. Ouf. Là, Yoka dit, wow, passer la forme même. Oui, combat. Mais moi, les plus grands miracles que j'ai vus, c'est les prières qui ont duré quelques secondes. De miracles, je vous dis que je n'ai jamais pu imaginer. Je te pressais, tu touches quelqu'un la tête, comme ça tu pars, et après tu attends qu'il avait le cancer généralisé qui a disparu. Alors que là où j'ai insisté, au nom d'aujourd'hui, au nom d'aujourd'hui, je brûle, rien ne se passe. Donc Dieu n'est pas dans le cinéma. Amen. Dieu ne dépend pas de la manière dont tu poses les mains ou on insiste. Dieu dépend de ta foi. Crois. Tu as dit, Lazare sort et c'est fini. Amen. Mais si tu prends les pasteurs d'aujourd'hui, tu les mets devant Lazare. Roman, ça sent mauvais, je brise les odeurs, je brise. Il va tout briser. Il va prier tellement que Lazare va pourrir encore. Quand il va rester des os, il dit, bon, enterrez-les parce qu'il reste que des os. C'est Dieu qui voulait le prendre. Alléluia. J'ai vu une vidéo. J'ai vu une vidéo sur TikTok. Instagram plutôt. Quelqu'un qui est venu pour la guérison. Il avait mis une chaise roulante avec une serviette sur lui, sur ses jambes. Le pasteur dit, oh, aujourd'hui, vous allez voir la gloire de Dieu. Aujourd'hui, il commence à prier comme les Américains. Dieu, Jésus, Ashura, papa, Jésus Christ. Quand il faut prier, on enlève la serviette, il n'a pas de jambes. Il a dit, retournez. Il sort frère. Alléluia. Retournez. Mais, tu vois, tu crois que les gens me paraissent. Mais le pasteur avait déjà prophétisé. Vous allez voir aujourd'hui. Ouais. Donc, il faut avoir le discernement. C'est pour cela que je dis toujours aux gens. Je dis à un jeune pasteur que je connais, à Martinique. Je dis, toi, un jour, tu finiras en prison. Joue bien avec Dieu. Quelqu'un qui vient, lève-toi au nom de Jésus. Est-ce que Dieu t'a parlé du gars? Quelqu'un veut venir là. Il n'a pas la foi. Tu le soulèves. Il se casse les jambes. Hein? Et moi, je dis à quelqu'un, lève-toi. Le jour où vous allez me dire à quelqu'un, lève-toi et marche. Il va marcher. Parce que c'est Dieu qui m'aurait parlé. Amen. Mais je ne fais pas les choses mécaniquement comme ça pour faire comme un tel. Ça peut te coûter très cher. Amen. Et encore, nous les noirs, on ignore la loi parfois. Tu le soulèves, il tombe, il se casse, il ne porte pas plainte. Un blanc, il a failli tomber. C'est fini pour toi. Plainte, dédommagement, on casse les pieds à moins. 50 000 €, c'est fini. Même si les chrétiens, ils se tournent contre toi. Hein? Tu m'as cassé la hache, dédommagement. J'ai fait un accident, moi, j'ai fait un accident. Ma voiture a dérapé, j'avais eu sommeil. Il y avait un homme schizophrène qui marchait au bord de la route. Je l'ai évité. J'ai touché un petit peu, mais je l'ai évité et j'ai failli moi-même mourir parce que je suis allé sur l'autoroute à contresens. Le monsieur a porté plainte, dédommagement. Et on propose au monsieur 30 000 €. Il ne veut pas. Hein? Il veut plus. L'argent. Gougou. Je parle comme ça. Toi, pasteur là qui me suis à la télé, tu dois arrêter ton sketch là. Tu dois arrêter ça. Ton cinéma. Non, avant de soulever quelqu'un, il faut avoir la parole de connaissance. Vous voyez, Pierre, il y avait un paralytique qui était devant l'église tout le temps. Mais ce jour-là, Pierre est venu, il a vu qu'il avait la foi. Il lui a dit, je n'ai rien à te donner, je n'ai ni or ni l'argent, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Mais il avait vu d'abord que la personne avait la foi. Amen. Mais toi, on t'envoie quelqu'un qui peut être un sorcier non repentant, il est handicapé, tu le soulèves. C'est un piège, hein? Coucou. Amen. Donc on doit être prudent, ne faisons pas les choses pour faire comme un tel a fait. Non, non, si lui il a fait ça. Moi je me rappelle un jour, on avait convention à Lyon. Non, en Guadeloupe. Tu connais, qui connaît la Guadeloupe ici? Les abîmes, il y a un terrain de football aux abîmes là. Après la mairie, il y a un terrain de football, quand tu quittes les abîmes, tu vas vers Point d'Or. Il y a une salle de fête là à côté du terrain, de la mairie. On a fait une réunion là-bas. On était assis avec, j'avais invité un pasteur ami qui était là. On est assis, il y avait une dame qui ne marchait plus. Elle était presque mourante. Elle marchait plus, malade, grave. On l'a soulevée, on l'a amenée, on l'a déposée devant moi. Pendant qu'on louait Dieu, le Saint-Esprit me dit, par une voix douce, cette femme-là doit marcher. Elle sera guérie. Je dis, ah, bon Dieu, c'est pas moi qui ai invité, c'est moi qui n'ai pas l'orateur principal. Vous savez, il y a des gens, ils sont tellement malades comme ça, il ne faut pas faire l'erreur. Hein. Tu n'as pas droit à l'erreur pour dire, madame, excusez-moi, je te soulever, s'il tombe, il meurt. Hein. Je dis, Seigneur, si c'est toi, donne-moi un signe. Amen. Je commence à parler en langue, la dame instantanément commence à trembler. Là, ça s'est passé, je priais à l'intérieur de moi. L'invité était là, il ne savait rien. Et là, j'ai vu que c'est le Seigneur qui veut le guérir. Je dis à mon ami, cette femme-là que tu vois doit marcher aujourd'hui. Dieu me l'a dit. Et pendant quand on a commencé la prière, l'invité l'a appelé. On a prié pour lui tous les deux. La dame a marché. Les gens... Mais vous voyez, mais il y avait une révélation. Dieu m'avait dit, lui, elle sera guérie. Parce que Dieu a vu que son cœur était prêt. C'est Dieu qui fait les choses. Parce que Dieu sonde le cœur. Dieu voit que la personne est repentante. Quelqu'un peut venir là, il n'est pas repentant. Il a la haine dans son cœur et vient avec ses bêtises. Tu le pousses, mais il ne sera pas guéri. Et c'est le nom de Jésus-Christ qui sera salut. Et c'est toi qui auras des problèmes après. Amen. Amen. Mais par-dessus tout, Dieu parle par une voix intérieure. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me trouver ce passage-là? Souvent, Dieu parle par une voix intérieure. C'est très important. Non, pas un Jean. C'est dans les psaumes. Hein? Ah, mais je maîtrise plutôt ma Bible. Mon cœur dit de ta part, cherchez l'Éternel. Ah, les portables sont tellement compliqués aujourd'hui. Ah. Voilà. Des fois, Haïti était très, très fort. Bon, Psaume 27, verset 8. Psaume 27, verset 8. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Amen. Psaume 27, verset 8. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Yo, qu'à vrai? Mon cœur dit. Donc le cœur parle. Quand on dit le cœur dit de ta part, ça veut dire que c'est une voix douce que tu attends dans ton cœur. Parfois quand tu médites, tu attends une voix qui te parle. Ne fais pas ça, n'agis pas comme ça, change ton comportement. C'est comme si c'est quelqu'un qui te conseille au fond de toi. C'est ça la voix du Saint-Esprit. Elle est toute petite. C'est par cette voix-là que Dieu nous parle le plus souvent. Amen. Mais une chose qui est très importante, faites attention, ne prenez pas en vain le nom de l'Éternel. Donc quand tu pries, tu médites des fois, Dieu va te parler par la voix intérieure. Mais on va voir ce passage qui dit dans Exode, verset 20, verset 7. Exode, chapitre 20, verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. C'est la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes aujourd'hui. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. Un pasteur va dire jusqu'à ce qu'un jour, il était allé aux toilettes, il a fait ce besoin, l'esprit lui a dit, « Hé, mon enfant, prends et mange !» Mais oui, les gens disent n'importe quoi. Dieu m'a dit, j'aime pas ça, ça me fatigue. Quand une voix intérieure te parle, ça veut dire que Dieu nous parle par une voix intérieure, car ça te concerne que toi seul. C'est des conseils personnels. Mais quand c'est quelque chose d'important, il parle avec des signes plus puissants. Et tu ne peux pas dire, Dieu m'a dit, quand c'est une voix intérieure. Tu gardes le pour toi. On dit, Dieu m'a dit, quand tu peux le prouver. Mais tu as une voix intérieure, Dieu m'a dit, prouve-nous que c'est Dieu qui t'a parlé. Il n'y a aucune preuve. Tu peux dire, Dieu m'a dit, voyez, elle est là. Je dis, c'était ce matin ou hier soir, je pensais à elle, je priais pour elle, je dis, mais ça fait longtemps, je voulais même t'appeler. J'ai failli pas arriver en plus. Ah, tu vois, j'ai entendu une petite voix qui m'a donné son nom. Ouais. Et boum, je la vois là. Oui. Amen. Amen. Donc, je peux dire que Dieu m'avait parlé, parce que j'ai la preuve. Mais tu ne peux pas dire, Dieu m'a dit des choses que tu imagines, qui passent dans ta tête, et Dieu m'a dit non. Ne prenez pas le nom de Dieu en vain, ça peut te coûter cher. Amen. Alléluia. Amen. Voilà un peu donc. Croyez-moi, prenez conscience que Dieu veut vous parler. Amen. Dieu a à vous parler. Dans l'Ecclésiaste, on dit, il faut que tes paroles soient peu nombreuses. Nous aimons beaucoup parler, beaucoup prier Dieu, parler, pas non. Il faut que tes paroles soient peu nombreuses. Nous devons passer le temps à écouter, à parler avec Dieu, et à écouter Dieu, parce que Dieu a plus à nous parler que nous avons à lui parler. Amen. Et la voix de Dieu par excellence, c'est sa parole. Quand vous lisez, vous méditez la parole de Dieu, au travers de cette parole-là, Dieu va vous parler. Mais nous aimons toujours ce qui est spectaculaire. Tu veux voir un ange. Ah, pasteur, j'aimerais voir des anges, pasteur. J'aimerais voir des anges. Il n'y a qu'à vrai Soukounia un jour. On aime trop du spectaculaire. C'est comme un frère qui m'a dit, ah, je vis Dieu, Dieu le Père qui passait vous comme une fusée. Et je le suivis derrière, Père, 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 Père. Et il m'a regardé, il m'a dit, fils, fils. Oui. J'ai dit, Père. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il lui a dit, sois pas hypocrite. Mais oui. Il dit, ah, toi tu as vu Dieu le Père, hein? Même Moïse ne l'a pas vu. Même Moïse ne l'a pas vu, mais toi tu as vu Dieu le Père. Vous vous rendez compte? Voir Dieu le Père. On dit, il habite une lumière inaccessible. Amen. Que personne ne peut voir, mais toi tu l'as vu. Et puis il m'a dit, passez une vitesse supersonique. Et puis lui il courait derrière, lui aussi il était venu me fusée. Père, 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 père. Puis fils, puis fils. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Sois pas hypocrite. Je dis, ah papa mon Dieu, papa mon Dieu, à toi entendu, mais là, c'est le summum de révélation. Vous savez, j'ai attendu toute forme de révélation. Mais là, monsieur tapait fort même, là. Il dit, ah bon, ah. C'était un songe. Oui, un songe, je dis, ah bon. Alléluia. Oh my God. Dieu parle. Croyez-moi, Dieu parle. Prenez Dieu au sérieux. Prenez la prière au sérieux. Ne gaspillez pas votre temps. Craignez Dieu. Ah, le Seigneur m'a dit. J'ai un frère. Je ne veux pas dire ça parce que la vidéo sera sur Internet. Je ne veux pas encore qu'on me malmène, quoi. Il y a quelqu'un que Dieu a averti, dit mon frère, arrête ces prophéties-là. Dieu ne t'utilise pas, arrête. Il n'a pas écouté. La Bible dit, oh, nous calise ça, nous calise ça. C'est Deutéronome 13, verset 1. S'il s'élève au milieu de toi un prophète, c'est Deutéronome, j'hésite entre Deutéronome ou 13. Deutéronome, je crois bien, regardez un peu. Hein? Deutéronome 13, verset 1, ça dit quoi? Deutéronome 13, voilà, c'est bon. Deutéronome 13, verset 1. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons. Ah non, c'est pas celui-là. Oui, bon, on va continuer. Allons auprès d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-le. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ces songeurs, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à ses voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni des morts. Vous pouvez mourir en mentant contre Dieu. Alléluia. C'est ça la punition. Vous pouvez mourir, je vous dis. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Vous savez, il y a des gens que vous voyez, vous appelez prophète. Mais il est mort. Ça veut dire que de la part de Dieu, il est déjà mort. Dieu... il est déjà condamné. J'en connais plein que vous voyez, vous appelez prophète. Il est sur Internet, il y a 1000 personnes qui les regardent. Mais devant Dieu, il est rejeté. C'est fini. Saül a été rejeté. Mais il est resté roi pendant un temps. Samuel dit à Saül, puisque tu as rejeté la parole de Dieu, Dieu te rejette aussi comme roi. Mais Saül est resté au moins des années encore comme roi. Il est resté toujours roi, il continue à persécuter David, il cherche à tuer David jusqu'à sa mort. Mais devant Dieu, il n'était plus roi. Quelqu'un peut être ici, il n'est plus pasteur, mais il a toujours eu l'église. Il prêche toujours, mais Dieu l'a déjà enlevé de son cœur. Tout ce qu'il fait, c'est charnel. Faites attention, craignez Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous, que le Seigneur nous aide tous à les craindre, à l'aimer. Que le Seigneur nous aide tous à obéir à sa parole. Car rien ne vaut plus que l'obéissance à la parole de Dieu. Sandrine et Cecilia, c'est voyage gentil. Je voulais voyager à crédit, venir là. Oui, il n'y a pas de problème. On va payer petit à petit. Et si on n'a pas l'argent, on va fouiller. Voilà. Il ne faut pas porter plainte. Baby, sois ton nom. Enfin je le verrai, alors sans fin je le verrai.